Salut! Avant que la vidéo commence, j'ai trois choses à te dire. La première, c'est que j'ai un Discord. Le lien est dans la description. La deuxième, c'est que si le cœur vous en dit, vous pouvez m'aider à financer certaines invocations. Pour ça, PayPal ou tout simplement le bouton rejoindre sur YouTube sont disponibles. Et dernière chose, concernant les lives, ils seront désormais annoncés uniquement sur Discord. Voilà voilà, bonne vidéo! Et salut tout le monde les amis, c'est PleurGamer, bienvenue pour une nouvelle invocation sur Saolicitation Rising Seal. J'espère que vous allez bien. Non, je n'ai pas payé pour les 600 cubes les amis. Je n'ai pas payé pour une fois, donc écoutez, on va tenter le portail de Géo, l'épice de glace éternelle. Donc j'espère que vous allez bien encore une fois, donc on va tenter de l'avoir, hein. Il est très très bon. Il est très très bon, donc c'est le deuxième Géo, mine de rien, en haut, c'est seulement le deuxième. Surprenant, hein, mais oui, c'est Géo V2 haut, c'est voilà, seulement la deuxième fois en haut. On aurait pu croire que ça aurait fait déjà 1500 fois, mais non, parce que les autres Géo... sont d'autres types, hein, neutre, vent, vent deux fois d'ailleurs, et voilà quoi, et voilà. Donc le Géo, l'épée de glace éternelle, alors, charge tranchante sur un ennemi forte, inflige dégâts continus d'éléments haut, seul perso je crois à faire des dégâts continus dans une charge, donc pourquoi pas, 3 tours, et, attaque tranchante sur un ennemi énorme, et là ça c'est le premier qui fait ça, attaque et magie attaque plus 15% pour tous les alliés de tour, ça c'est fort. Ça c'est fort, et enfin le deuxième assaut, donc c'est une attaque tranchante sur ennemi forte, mais Recollection Field au plus 1. Pas mal. Ensuite, l'aspect, donc attaque tranchante sur un ennemi, résistance physique moins 10%, inflige dégâts continue d'eau, 3 tours, Recollection Field au plus 3, pardon. Consommation de MP, de l'élément au moins 10%. Donc bah voilà, très très bonne carte, pour le coup. Très très bonne carte, j'avoue, hein, pas mal du tout. Pas mal du tout, on va essayer de l'avoir, j'aimerais bien l'avoir, je vous cache pas. Ça pourrait être sympa, mais après, bah bon, il y a le retour depuis le temps, ça fait vraiment un bail par contre, elle. Le retour de Azuna Stacia O, parce qu'elle, il y avait, depuis qu'elle était sortie, il n'y avait aucune chance de l'avoir. Donc là, ça y est, une chance d'avoir pour les gens. Bon, moi, je l'ai eu, rappelez-vous, hein, je l'ai eu quand j'avais payé sur Kirito Neutre et que j'avais tenté, je crois que c'était le SAP 5 sur cette Azuna et je l'avais eu. Donc elle je l'ai, donc on va éviter de l'avoir, clairement. Murmure de l'eau d'Alice, bon ouais, elle je l'ai, level 80, je l'ai pas encore monté le 100, mais j'ai pas envie, s'il vous plaît. Danser dans le brouillard Aidis, pas mal, hein, les amis, attaque de charge, résistance moins 1%, pas dégueu. Et d'ailleurs, si je veux pas l'avoir, l'Alice elle est très forte. Hein. Alice très forte, Azuna vraiment pas mal aussi. Voilà, ces deux-là, vous pouvez pull dessus. Hein. Alors là, Aidis, donc attaque une charge forte, résistance magique, pardon, moins 20%. La seule qui fait ça dans une charge, enfin... pour les hauts, hein, pour la team haut. Attaque magique sur un ennemi fort, énorme, pardon, donc classique. Et le mode énance. Mode énance qui charge la volonté plus forte. Et c'est tout. Et c'est tout. Ah, à part, elle a une attaque magique en mode énance sur un ennemi, résistance magique moins 20%. Bon, voilà, c'est sympa. Donc Aidis, simple mais efficace. En même temps, c'est la première énance, donc c'est pour ça que ça devient de moins en moins spectaculaire, hein, on va dire. La Silica détente au bord de l'eau. Donc bah finalement, cette Silica... la question se pose, mais du coup, je pense qu'elle se fait remplacer par Géo. C'est vrai que ce cher Lelouch a peut-être raison, hein, Lelouch qui est quelqu'un qui est dans le Discord, auquel je parle de temps en temps, hein, même un peu quand même. Donc du coup, ce qu'il a dit en fait, enfin ce qu'il m'a dit, c'est que oui, effectivement, comme on vient de le voir les amis, le Géo, il buff l'attaque et la magie attaque sur un assaut. Le truc, c'est que Silica le faisait, mais Silica le fait dans son kick et focus, mais c'est que la magie attaque. Et c'est plus 15%, je crois que Géo c'est 10. Ah non, c'est 15, autant pour moi. C'est 15 aussi. Ouais, c'est 15 de tour. Donc le truc, c'est que la Silica serait plus suspect attaque magique. Mais elle, vu que c'est le kick and focus, eh ben, il y a peut-être moyen que ça se déclenche avant que l'ennemi... on peut rattaquer peut-être, on peut peut-être faire deux trucs avec Silica si sa vitesse est bonne. Donc, gros dilemme là. Gros dilemme, mais je pense que Géo la remplace. Je pense. Après, si vous avez une full magique... ah, Silica serait peut-être mieux. Mais vu que je ne l'ai pas, cette Silica vaut mieux, je pense, être dans le physique, pour ma part. Donc voilà, donc bah écoutez les amis, c'est parti. Hein. Évidemment, il y a eu un ajout, c'est vrai, il y a eu un ajout les amis. Autant se le dire, comme ça au moins on est à jour.
Tempête de flèches de lumière, sinon, voilà, a été mise à jour. Donc, en gros, c'est la sinon Enhance Lumière avec son sniper. Voilà, tout simplement. Qui Enhance entre un arc et un sniper. Voilà. Donc, je l'ai pas. Si je l'ai, ce serait cool. Après, bon, je la cherche pas, honnêtement, je le cache pas. Voilà, ce serait vraiment bien d'avoir le EGO. Hein, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Ah, tiens, d'ailleurs, c'est drôle. Maintenant, t'as que le EGO. Alors qu'avant, ils mettaient toute la liste du détecteur, hein, de la bannière plutôt. Mais là, c'est surprenant. C'est surprenant. Donc, bah écoutez, les amis, c'est parti. Premier set. Allez. Allez, putain, le EGO, il tombe là. Ah, je serais content. Je serais content de ouf. Ça serait un très bon portail. Ok. Un toucher l'écran marron, pardon. Allez. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le EGO, le EGO. Ah putain. D'ailleurs, j'apprécie hein, dans la bannière, c'est qu'ils ont enlevé le GOV1. Parce qu'ils auraient pu le mettre, mais ils l'ont enlevé. Ça, c'est ça. Oh non, merde, c'est pas un. Ah, c'est pas de nuit. Ah non, c'est pas de nuit. Bon, pas encore espérer, mais c'est pas de nuit. Non, putain. Ah, le GO, allez, s'il te plaît, ça ferait tellement plaisir. Ça ferait tellement plaisir. Et ils ont dégagé aussi Sortilena également. Ça, c'est sympa. Ça aurait été sympa de dégager Eldri aussi. Ah non, il y est. Je sais plus s'il y est. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Non, je crois qu'il y est plus, non. Donc, s'ils l'ont dégagé, tant mieux. Non, vraiment, tant mieux. Ces trois persos-là, voilà quoi. Ça commence vraiment à dater, on va dire. Ah là là, non. Ah, ça va être rien. Step 1, sérieux? Ah, c'est pas cool. Oh, c'est pas gentil. Ah ouais, c'est rien. Ok. Step 1, c'est rien. Bon, bah, on va tenter le step 2. Après, step 3 à moins 50. Allez, c'est parti. Allez, le jeu, s'il te plaît. Allez, putain, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, un drop, là. Step 2, fais-moi un drop. Crap, toujours le toucher l'écran marron. Je vous rappelle que c'est possible de l'avoir en bleu et en mauve, si vous avez vraiment de la chance. Mauve, ça serait R4, tout simplement. Oh, non. Non, sérieux. Non. Oh, c'est pas cool. Oh, c'est pas cool, le jeu. Oh, c'est pas sympa, ça. Ça, c'est pas gentil, hein. Ah, ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. La deuxième multi ne sera également pas la bonne. Ah, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Ah non, mais j'en ai marre de drop du Jink. Surtout que des cristaux neutres, j'en ai un milliard. Ah, dommage. Uolo, non. Non, non, non. Linel. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ah, ça veut pas. Ça veut pas, mais non. Ah, c'est dingue, hein. Mais putain, mais... Ouais. Bon, bah, deuxième multi, rien. Génial. Bon, bah... Le step 3, c'est parti. Allez. Allez, les amis. S'il vous plaît, putain. Allez, putain, un drop. Donne-moi le GO, je serais tellement content. Ça serait bien, quoi. Le GO, s'il vous plaît. Allez. Allez, le GO, le GO. Oh, c'est une blague. Oh, sérieux, fuck. Ah, putain, il n'y avait que le step... Ah, c'est un R3 quand même, ouais. C'est un R3 quand même, mais bon, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Putain, ça veut pas. Ça veut pas. Mais c'est incroyable. Mais c'est une fourberie. Putain. Pourquoi ça ne veut pas? Kagemoon, on s'en fout. Ah, Argo. Allez, le jeu. Humbert. Je vais pas l'avoir. C'est le cas. Et c'est le cas. Mais non, mais putain. Ah, mais c'est dingue. Hein. Non, mais c'est fou, hein. C'est incroyable. Genre là, trois steps, rien, c'est... Super, super. Bon, bah écoutez les amis, on s'arrêtait là, hein. J'espère que ça vous aura plu. C'était en vocation malgré tout, donc bah super. Les trois steps, que dalle, j'ai envie de dire. C'est dommage, hein. C'est chiant, c'est que le pool augmente, mais pas l'Europe. Pour le coup, ça fait très très chier. Mais bon, tant pis, parce que ce géo est vraiment pas dégueu. Hein. Merci à regarder, n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner, et je vous donne rendez-vous pour la suite. Bye tout le monde.
one shot and then I grab it.